Adélaïde de 5 à 7. À des orgasmes de cellulose. Elle connaît les formules secrètes qui mènent à la métamorphose. Des échardes l'ont couronné, c'est un naufrage en plein hiver. C'est l'arme des trempes, les oreillers, et personne n'en a rien à faire. Elle se raccroche, magnétoscope, souvenir de l'âge de tes raisons. L'année du satori pop pop, ses cheveux blanchissent chaque lunaison. Ses pupilles se craquent-elles parce qu'elles sont en faïence. De la poussière d'ombrelle, une chienne, des crinolines. Ses pupilles se craquent-elles parce qu'elles sont en faïence. L'ombre d'une mademoiselle en chienne et sans cyprine. Adélaïde de 7 à 10 ne sait pas quoi faire de ses heures. Le temps est flottant et il glisse. La solitude est une couleur. La honte souvent lui ceint le front, elle porte ses affronts en diadème. Dans la case dite situation, elle se sent comme un vieux blasphème. Elle voudrait vivre dans une chanson, ça lui éviterait de souffrir. Elle veut dans la prochaine saison son propre rôle pouvoir écrire. Ses pupilles se craquent-elles parce qu'elles sont en faïence. De la poussière d'ombrelle, une chienne, des crinolines. Ses pupilles se craquent-elles parce qu'elles sont en faïence. L'ombre d'une mademoiselle en chienne. Adélaïde de 10 à 1 rêve d'un amour année zéro. Elle a écopé toute l'écume pendant que son cœur est en travaux. Elle essaie de lire ses deux mains dans les entrailles de sa théière. Mais elle ne trouve pour tout destin qu'un silence qui lui mord la chair. Des refrains comme elle se coudrait un linceul. Alors elle s'invente des refrains pour faire semblant de ne pas être seule. C'est plus